On m'a dit que c'était Millet qui avait peint l'Angélus. Je le connais, moi, l'Angélus. Quand j'étais petit, je le sonnais. Quant à moi, la peinture, je ne la mets pas sur les Angélus. Je la mets sur les murs. C'est normal, c'est ce qui se fait le plus. Je peins une brique, un tas de briques. Dis-moi long, ça dépend comment c'est selon la rumba du pinceau. Ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris. Faudrait pas que je m'étale aussi, car je refais la façade. C'est haut la façade. Tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau. Mais avec un peu d'enduit et puis du mastic aussi, je refais la façade. Toujours, toujours la façade, ah oui. Car au fond dans la vie, il n'y a que ça qui compte, la façade. Hein? Ah oui. Une supposition par exemple, vous ne pouvez pas dire de quelqu'un, vu de dos, il a bonne mine. Hein? Non. Bon, alors, toujours, toujours, toujours la façade. La rumba du pinceau. Mais c'est dangereux là-haut, ah oui. Un jour j'ai manqué de me tuer, je voulais peindre au pistolet. Heureusement je m'ai loupé, heureusement sans ça. Je peins des tableaux, ça ça colle, surtout les tableaux noirs de l'école. Je peins des toiles et j'en suis fier, hier j'ai peint l'étoile de mer. Je peindrais bien des beaux nus, mais personne pour moi veut poser nu. Ce ne sont plus des nus-nus. Je suis forcé, peindre des nus tout vêtu. Je suis malin, c'est. Parfois je peins les habits par terre à côté du nu. La rumba du pinceau sauve les vieux tableaux. Pour conserver ses 20 ans, madame fait son ravalement. Quel tourment la façade. Un monsieur comme il faut s'habillera toujours beau. Même si la chemise sous le paletot ne cache pas le bas de son dos. Faut sauver la façade. Faut toujours soigner sa façade. Sans ça, on peut pas passer par la grande porte. La preuve, ma concierge, qui est une psychologue, comme on dit, ben, quand elle voit quelqu'un qui représente bien, elle lui fait prendre l'ascenseur. Mais si c'est quelqu'un qui représente moins bien, bien, elle lui fait prendre l'escalier de service. Ça lui fait les pieds, qu'a dit le psychologue. La rumba du pinceau. Pour tous, c'est ça qu'il faut. Car pour faire bonne figure, faut toujours un peu de peinture pour sauver la façade.